Bonjour, ici Alex Wagner et toute l'équipe Morning Kiss est à Lille pour un atelier. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de s'échauffer avant d'aborder une femme. La notion de s'échauffer, c'est considérer que les premières approches ne comptent pas. Le but étant de se dérouiller, de devenir sociable, de devenir plus fluide pour être meilleur en interaction. Voilà, la logique paraît imparable, sauf que le souci, c'est que vouloir s'échauffer, c'est finalement contre-productif parce qu'on s'échauffe avant de faire quelque chose de difficile. On s'échauffe avant de faire un marathon, par exemple. Donc, la notion même de devoir s'échauffer avant de parler à une femme, c'est s'affirmer que parler à une femme, c'est quelque chose de difficile. Or, justement, c'est l'inverse. Aborder une femme, c'est pas quelque chose de difficile parce que c'est juste aller parler à une fille. Donc, on n'a pas besoin de s'échauffer pour parler à une fille parce que la vérité, c'est que non seulement les premières interactions ne comptent pas, mais il n'y a aucune interaction qui compte. Le seul but d'aller aborder une femme, c'est de vérifier s'il peut y avoir du feeling. Et heureusement, parce que si je devais être chaud avant d'aborder une femme, bah, je n'aurais jamais abordé Carole, ma femme, que j'ai croisée dans le RER, métro parisien. J'étais pas chaud, je rentrais du boulot un soir, j'allais pas aller aborder trois femmes avant de l'aborder elle. Si j'avais fait comme ça, elle serait disparue de mon champ visuel et je ne l'aurais jamais rencontrée. Non, c'est absurde. Donc, que faire à la place? Eh bien, le secret, et je suis là pour vous donner le droit de le faire, c'est que vous pouvez aborder en vous sentant rouillé. Vous pouvez aborder imparfaitement sans être très fluide. C'est pas grave parce que d'une part, vous allez vous fluidifier tout de suite pendant l'interaction, surtout s'il y a un bon feeling. S'il y a un bon feeling, ça se passera super. S'il n'y a pas de feeling, ça se passera pas bien. Mais de toute façon, le but d'aller aborder, c'est de vérifier s'il y a un feeling. S'il y a du feeling, la rencontre sera robuste. Et bien évidemment, on peut le comprendre parce que s'il fallait être parfait, parfaitement fluide pour parler à une nana, pour se reproduire, la race humaine se serait éteinte depuis bien longtemps. Donc vous avez juste à y aller en vous sentant rouillé, c'est pas grave. L'interaction tolère l'erreur. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Commentez dans la zone en dessous. Est-ce que vous faites des sets d'échauffement? Est-ce que vous échauffez avant d'aller parler à une fille? Ou est-ce que vous comprenez que c'est une étape à dépasser pour que aborder une femme fasse juste partie de la vie normale et de son quotidien et devienne seconde nature? Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à gauche parce qu'on publie une nouvelle vidéo par jour. Vous pouvez visiter le site web Morning Kiss pour découvrir comment aller plus loin avec nous avec le bouton qui est juste en dessous. Ou alors, je vous suggère deux vidéos à droite pour continuer sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.